c'est SevenG et on se retrouve pour ce tout nouveau let's play sur Pokémon Lune en Wonderlock SP. J'espère que vous allez tous bien. Donc j'ai fait les échanges miracles, je vous montre un peu l'équipe. Alors nous avons un Goupix d'Alola qui est de ma version soleil, un Pichu qui est de ma version soleil, un Rocabo d'échange miracle qui est quand même bien tuté, Otakin c'est mon starter, Nounourson échange miracle et Araquo échange miracle, voilà. Donc ça c'est mon équipe et maintenant dans ma boîte PC j'ai un Mimiki et un Poncho. Poncho, je l'ai pas mis dans mon équipe tout simplement parce que j'aime pas Poncho forcément. Enfin j'ai Carly Dog mais bon lui j'aime bien. Et voici les connards de sa sœur, mais que se passe-t-il? Oui, il y a un taureau, je sais, nous c'est pas le scénario qui nous intéresse. Combien que le passage. Et voilà, Mimiki, j'ai pas pris parce qu'il avait des attaques qui ne servaient à rien. Genre prélèvement destin. Je sais pas quoi. Là, on va recevoir le multi XP. Et Mel, on dirait que je suis arrivé en premier. Enfin bref. Sans forme, ouais. 4 dresseurs. Mel, pour ta première leçon, tu devras vaincre 4 dresseurs de l'école. C'est là-dedans qu'on a la vie du riff. D'ailleurs, en parlant d'expérience. Et ouais, multi-XP. Bon, je suis désolé si ça bouge un peu. Kiffe ton XP. Les Pokémon. Tout dans l'intérieur. Claire alors en piste. Alors, la frangine, c'est elle qui a formé le capitaine de l'île. Après, on va former le combat. Là. Bon, alors, allons affronter ces fameux dresseurs. Ah, une Pokéball. Potion. Ah, j'ai pas acheté de potion. Oh, mince, c'est un Wonderlock. Bon, je m'en fous, j'ai plein de Poké au PC. On garde le Goupix en première position. Et oui, au fait. Et toi, t'es une dresseuse. Mon prof m'a dit d'attendre ici. Si tu gagnes contre moi, je t'apprendrai un truc simple et très utile. Là. Logan, la jeune sportive, je sais pas très. On a qu'un. C'est quoi ça? Picasso. Picasso, on le passe tranquillement. C'est un Goupix chinois. Allez, poudreuse. Ah non, c'est bon. Ah non. Ah, il fait un peu mal, hein, mais bon, ça va. On te livre 11. Le gain de l'esprit, c'est bon. Je, c'était match. 224 Pokédollars. Améliorer les stats de des Pokémon avec des capacités ou des objets. Grâce à ça, ils peuvent, par exemple, infliger des dégâts. Oh là là là, c'est vraiment le béaba. Touché. Le code d'être de sûr, je l'avais passé dans le Let's Play sur Soleil. Let's Play sur Soleil, je l'avais pas. J'avais pas tenu l'impatience et bah, du coup, j'ai arrêté la série. Ah, tu es trop près de moi. Quand les gens s'approchent, je suis maintenant dû faire un combat, alors t'en dis quoi? Ok. Lumi la petite, elle a quoi? Ratata? Miaouz? Ah, et Menzaï! Oh, Menzaï. Je vais prendre cher. Bon, alors, Menzaï, on envoie qui? Les petits proches. On va faire pouvoir lunaire. Ah oui, ça passe. Photocopie. On va faire quoi là? Pouvoir lunaire. Non, c'est une blague. Il fait pouvoir lunaire. S'il te plaît, me tue pas. Ouf, ça va. Ça va tranquille. Bah, on refait pouvoir lunaire du coup. Puis on le tue. C'est bon. Oh là là, avec pouvoir lunaire, j'ai cru qu'il allait me tuer, j'ai eu peur. Et c'est bon, niveau 10. Éclat de glace, qu'est-ce qu'on oublie?
Attends, 40 et 40. Bon, on oublie encore, ça peut être bien, mais... Et que la glace, c'est bien. Donc, je tiens quand même à préciser que mon rocabo est cheaté, mon... Otakin est un peu cheaté aussi. Je gère carrément, en fait, voilà, vive griffe ici. Là, tu m'as donné ça un Pokémon. Mon Pichu n'est pas cheaté, mais du tout, alors. Bon, par contre, il a une pierre foudre. Par contre, mon Goupix est cheaté aussi, parce que pouvoir lunaire, lyophilisation et compagnie, on trouve pas ça tous les jours. Alors, Pichu, objet, prendre. Bah voilà. Alors, le prochain dresseur, où est-il? Il est dans les salles de classe, il me semble qu'il n'y en a pas ici. Non. Ah oui, non, je vois où ils sont. Ils sont dehors. Ils sont tous dehors. On a un là. Je vais tester surtout les stratégies que j'ai apprises ici. Voilà. Kendall, le gamin, on se fait battre. Viens par là, Kendall. Crise acier. Aïe, crise acier. Ah bah si, Rocabo. Non, il va faire armure, par contre, ça qui est chiant. Non, non, je ne pas. Alors, Pichu va rien faire. Rocabo super efficace. Oh, taquin. Il n'y a que Rocabo qui peut faire un super efficace. Donc, envoyons Rocabo. C'est un Rocabo japonais aussi. Hein. Et dans une Ultra Ball. Attention. Charge. Ok, c'est bon. C'est par armure. Level 11, le Rocabo quand même. Bon, en même temps, je l'ai bien farmé. Hein. Je vous rêve. Au début, ils étaient tous niveau 1. Même Mimiki. En fait, Mimiki, s'il m'a plu, je me dis, oh, mais j'ai que de la chance, j'ai que des Pokémon cheatés, là, j'ai Nounourson, j'ai Rocabo, Croéclair, Crofeu, non mais ça va, là, j'ai, comment dire, j'ai Araquo, non mais c'est quoi, c'est une blague, là, j'ai un Mimiki en plus, et là, en fait, j'ai le prélèvement destin, rancune, malédiction, et je sais plus quoi, et non. Là, je me suis dit, mais c'est quoi ce Mimiki, là? Il a que des attaques pourries, il ne peut même pas faire de dégâts à part avec prélèvement destin. C'est toi maintenant qu'il faut affronter. Voilà, c'est ça. Je vais être le plus fort, c'est pas pour rien, c'est pour avoir la méga classe. Oh, oh non, 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 très mauvaise idée d'envoyer Goupix. Goupix, il va mourir. J'ai aussi un petit bug à l'écran. De morph d'Alo là. Oh non, mais Goupix il va mourir là, c'est une blague. Donc, au glophilisation, je pense que je le tue. Non, je préfère pas prendre le risque, on est en Wonderlock donc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas voir en jauge. Oh là là, j'ai pas d'attaque psy là, c'est la misère. Bon, Kuba ça devrait le tuer. Allez, on envoie Rocabo. Aïe, 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 gaz toxique. Oh non. L'enfer commence. Bon, s'il te plaît, Rocabo, meurt pas. Allez, je vais enlever tous les couleurs. Allez, Kuba. C'est tout ? Génial. Bon, écrase facile. La toxi touche. La toxi touche. Non ? Même pas ? Même pas. Crofeu. Essaye de le tuer, Crofeu. Puis je pense qu'on s'arrêtera là pour cet épisode. Ouh là là. Mais c'est qui va pas tenir là le Rocabo à force. Bon, on va envoyer... Ce que je peux faire, c'est le... S'il y a une attaque poison, je meurs. Je perds au taquet. Oui, au taquet est inspiré du surnom d'un oratoria d'un youtubeur.
On va faire pistolet à eau. Ça devrait le tuer normalement, je pense. Voilà. Oh le chaos. Oh oui. Et voilà les amis, ça va sonner. Alors la cloche de l'école va sonner quand même la fin de cet épisode et c'est un petit bug. C'est pas grave, c'est toujours la fin de l'épisode. Voilà. Tant pis la victoire. Prends cette CT. Merci. Et en regorgement, bien sûr. En tout cas les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est le cas. Ah, la cloche. C'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu comme d'habitude. Attention s'il vous plaît, Mel est attendue au premier étage, j'aurais pas de métal. Tu as fait une bêtise? De mieux que oui. T'es en sérieuse là? Non, pas du tout. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Bye!